combien d'hectares en tout ? 97 hectares. Okay. J'en ai en location et en propriété. J'en ai la moitié en location, la moitié en propriété. Là, j'ai pas encore levé les branches. Donc ça, c'est des... Ils ont 2 ans, ceux-là. Ils vont être taillés cette année. Et ça, c'est un que j'ai taillé l'année dernière, ici. Ça, c'est un qui a été taillé l'année dernière. D'accord. Cette année, je le touche pas. Ah oui. Et puis là-bas, il y en a qui ont 3 ans. Ceux-là, ils vont y passer cette année. Ça a 2 ans, là. Ouais. On le voit, là. Normalement, tous les 2 ans. Ça a 2 ans, là, jusqu'ici. Ceux-là, ils ont 3 ans. Mais là, déjà, c'est un peu serré. Un peu trop serré. Parce qu'ils ont dû laisser partir des têtards. De peur que l'arbre crève, ils ont laissé partir des petits. L'idéal, quand ils sont isolés comme ça, ils sont magnifiques. Puis là, et la feuille, là, on verra pas très bien la différence parce que c'est un peu tôt encore. Vous disiez que vous avez différentes variétés de... Oui. Ceux-là, là, ils sont... D'abord, ils font des mûres blanches, il y en a certains, et des mûres noires, d'autres. Ah, okay. Et ils font le fruit qu'au bout de 2 ans. Okay. Les deux, en troisième année. Là, il est en troisième année, regardez, le fruit apparaît. La fleur, il y a la fleur. Là. À 3 ans. Sinon, à 2 ans, il n'y a pas de fruits. D'accord. Et le fruit peut être aussi utilisé en confiture. Vous en faites ? Non. Mais c'est très sucré. Comme ça, après, avec le tracteur, j'entasse et je brûle. Mais je garde le bois de cette grosseur, je ne le jette pas celui-là. Lui, c'est pour vous ? C'est pour le chauffage. Et j'utilise pour, en fait, pour cuire les pommes de terre pour mes cochons. Ah, d'accord. Ça brûle très vite, ça chauffe. Et à 1 heure, le chaudron, il est cuit, quoi. À voir. Vous voyez, ceux-là, là, je les ai taillés. Oui. Voilà, ça a été taillé l'année dernière. Et là, j'y plante mes pommes de terre. C'est pas pris encore, je les ai pas mis. Avec la pluie qu'il y a eu, on n'a pas préparé. Donc là, vous faites les buts de pommes de terre. Oui. C'est la reforesterie aussi. Ouais. Et là, ça en est un qui a crevé l'année dernière, celui-là. Ah, encore un. Ouais.